There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. I want to thank you all. Thank my brother. Thank you for having us. Je veux vous remercier. I appreciate this. Je veux remercier mon frère et merci aussi d'être venu ici avec parmi vous. I just want to bless all of you in the name of Jesus. Je veux bénir chacun de nous au nom de Jésus Christ. And I want you to know that God is in this place. Et je veux vous dire que Dieu est dans ces lieux. I want you to know that God is in this house. Et Dieu est dans cette salle. I just appreciate your leadership here. Et je suis vraiment très content du leadership ici. For giving us the opportunity. Et de pouvoir nous donner cette opportunité. To come and bless you. Et de venir et vous bénir. You know, we have nothing of ourselves to give. Et nous n'avons rien de nous-mêmes pour but vous donner. Only what God has given. Seulement ce que Dieu est en train de nous donner. So today I am like your delivery boy. Et je suis qu'un certain instrument qu'on est en train de faire. I have only come to give you what the Lord has already given you. Et je veux vous donner ce que le Seigneur m'a déjà donné. Hallelujah. Let us rise up to our feet. Let us just talk to the Lord. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. I don't know what need you have. What is the need you have? Et je ne sais pas quel est le besoin de votre cœur. But I want you to know that God is in this place. Et je veux vous dire que le Seigneur est. The Lord is in this place. Et le Seigneur est ici parmi nous. And God will answer you. Hallelujah. Et Dieu va vous répondre. So I want you to open your mouth and begin to ask the Lord. Begin to speak to God. Commencez déjà à prier. Begin to talk to God. I'm not here anymore. I don't know if I'm praying. Let us open your mouth and begin to speak to the Lord. Begin to talk to God. I don't know what your need is. Is it a physical need? Do you need healing in your body? Is it a financial need? Do you need something? Do you need God to touch your finances? Do you need a miracle in your marriage? Do you need a miracle in your job? Est-ce que c'est le problème de votre travail? What do you need from the Lord? Qu'est-ce que vraiment vous avez besoin en Dieu? What do you need from God? Qu'est-ce que vous avez besoin de Dieu? Open your mouth and begin to ask him. Et ouvrez vos bouches. Begin to ask him. Demandez à Dieu. Begin to ask him. Et commencez à lui demander. Begin to ask the Lord. Et commencez à demander au Seigneur. Father, we thank you. We know that you are here. Nous savons que tu es ici parmi nous. Lord, we ask you. Nous te demandons, Père, to manifest your glory. De manifester ta gloire. Manifest your goodness. Manifester ta bonté. When Moses prayed. Lorsque Moïse priait. When he said, Lord, show me your glory. Quand il disait, Père, Seigneur, montre-moi ta gloire. God said, le Dieu lui a dit, I will make all my goodness to pass before you. Je montrerai toute ma bonté passer à côté de toi. So the glory of God. Et la gloire de Dieu is revealed in his goodness. Et s'est révélée dans sa bonté. When God gives you his goodness, lorsque le Seigneur te donne sa bonté, he shows you his glory. Et il te montre sa gloire. You know the Bible says in Canaan of Galilee. Lorsque la Bible dit au Cana de Galilée, when they lacked for wine in the wedding. Lorsqu'il y avait manquement de vin dans and the mariage, Lord turned water into wine. Et le Seigneur avait transformé l'eau en vin. The Bible says, and so the Lord displayed his glory. Et à ce moment-là, la Bible dit, Dieu a manifesté sa gloire. So every miracle of God. Tout miracle de Dieu is a manifestation of the glory. C'est la manifestation de sa gloire. So when Moses said, Lord, show me your glory. Lorsque Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. I will make my goodness pass before you. Et le Seigneur dira, je montrerai ma bonté. So I want you in this place to pray that prayer. Je veux dans ce lieu. Open your mouth and begin to say, Lord, show me your glory. Et commencez déjà à prier. Lord, show me your glory. Seigneur, montre-moi ta gloire. In my finances. Dans mes finances. In my body. Dans mon corps. In my family. Dans ma famille. In my marriage. Dans mon mariage. Show me your glory. Montre-moi ta gloire. Show me your glory. Montre-moi ta gloire. Show me your glory. Montre-moi ta gloire. Open your mouth and begin to ask the Lord. Et commencez déjà. Lord, show us your glory in this place. Seigneur, show us your glory in this place. Seigneur, montre-nous ta gloire. Show us your glory in this place. Montre-nous ta gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Show us your glory. Montre-nous ta gloire. Show us your glory. Montre
gloire. Show us your glory. Montre-nous ta gloire. Show us your glory. Montre-nous ta gloire. Lord, in Jesus' name. Au nom de Jésus. You can have your seat. Vous pouvez vous asseoir. So the title of this message I want to share with you. Et le titre de ce message is Show me your glory. Et montre-moi ta gloire. Show me your glory. Montre-moi ta gloire. If you have your Bible with you, si vous avez la Bible avec vous, I'd like you to read from Exodus chapter 33. Et je vous demanderai de lire dans Exode chapitre Exodus 33, chapitre 3, from verse 13. 33 verset 13. So, Exodus 33. Exodus 33 from verse 13. Exode chapitre 33, on commence au verset 13. So let us read from verse 11. Let's start from 11. So let's go from verse 9. It's so good. I don't know where to start. On commence. But let's start from verse 9. C'est vraiment très bon. Je ne sais même pas là où on doit commencer, mais on peut commencer au verset 9. It says, "And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door. And all the people rose up and worshipped, every man in his tent door. And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle." Listen to that word. It says, "And a young man, Joshua, departed not." The son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. See, your miracle is in the tabernacle. Your miracle is in the tabernacle. Votre miracle est dans le tabernacle. Your breakthrough is in the tabernacle. Your deliverance is in the tabernacle. Votre délivrance est dans le tabernacle. Amen. I want you to turn to your neighbor and tell the person, "Don't leave the tabernacle." Don't leave the tabernacle. Where can I start to read? Turn to your neighbor and say, "Don't leave the don't leave the house. Don't leave the tent. Ne pas quitter votre tabernacle. Don't leave the house. Ne faut pas quitter la maison. Non, le tabernacle. So, if you are in this house, si vous êtes dans cette maison, if you are in this tabernacle, si vous êtes dans cette tabernacle, if you are in this place, si vous êtes dans ces don't lieux, leave this place. Il ne faut pas quitter ces lieux. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Yes, go on. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'est levé et s'est prosterné à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, amen, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse tournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Hallelujah. Amen. Blessed be God. Let's read from verse 12. "And Moses said unto the Lord, Seest thou, sayest unto me, bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name. And thou hast also found grace in my sight." I tell you to truth today, you have found grace in the sight of God. Amen. Vous avez trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Amen. You have found favor in the sight of God. Vous avez trouvé la faveur aux yeux de Dieu. Now, therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me the way. Show me thy way, that I may know thee, that I may find grace in their sight, and consider this nation is thy people. And he said, my presence will go with thee, and I will give you rest.
Au chapitre 12, il dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître que tu en verras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai avec moi-même, avec toi, et je te donnerai du repos. Amen. Amen. And he said, my presence will go with you. Et il dira, ma présence ira avec toi. And I will give you rest. Et je te donnerai du repos. Yes. The rest that you are looking for is in the presence. Le repos que tu es tenté de chercher, c'est dans sa présence. Yes. Seek the presence of God. Cherchez la présence de Dieu. Seek the presence of God. Cherchez la présence de Dieu. Confess the presence of God. Et confessez la présence de Dieu. It is in His presence that you will find rest. Et c'est dans sa présence que vous allez trouver le repos. Whatever need you have. Et n'importe quel besoin que vous avez. I don't care what that need is. Et je m'en fous. Quel est ce bien? Quel est ce besoin? Et your need will be met in His presence. Et dans c'était besoin, c'est dans sa présence. He said, in His presence. Et il dira, dans sa présence, there is fullness of joy. Et il y a plein de joie. At His right hand, et quand dans sa main droite, there are pleasures forevermore. Et il y a le plaisir de tout. Do you need healing? Est-ce que vous avez besoin de la guérison? It is in His presence. Et c'est dans sa présence. Do you need deliverance? Et si vous avez besoin de la délivrance? It is in His presence. Et c'est dans sa présence. Do you need a breakthrough? Do you need a help? Si vous avez besoin de Vous avez besoin de l'aide. It is in His presence. C'est dans sa présence. Seek the presence of God. Cherchez la présence de Dieu. The highest thing you can seek. Et la plus haute chose que vous devez chercher. Is the presence of God. C'est la présence de Dieu. As a Christian, en tant que chrétien, what you need. Ce que vous avez besoin. For your life. Pour ta vie. For your family. Pour ta famille. For your business. Pour tes affaires. For your marriage, pour ton mariage, is the presence of God. C'est la présence de Dieu. If you have a tabernacle in your house, si vous avez le tabernacle dans votre maison, you will see the presence of God. Vous verrez la présence de Dieu. If you honor God, si vous honorez Dieu, and build a tabernacle, et construire le tabernacle in your house, dans votre maison, in your business, dans vos affaires, in your marriage, dans votre mariage. Everything that concerns you, dans tout ce qui vous concerne, you will see the presence of God. Vous verrez la présence de Dieu. The Bible says, so Joshua, la Bible dit, the young man, et un jeune homme, did not depart. Il n'est pas parti, il n'a from pas the quitté presence of God. De la présence de Dieu. That is the secret. Ça c'est un secret. That is the secret. Ça c'est un secret. For victory, de la victoire. Yes. As a Christian, en tant que chrétien, is the presence of God. C'est la présence de Dieu. Look at what Moses said. Et regardez ce qu'il dit. Let us go further. Mais on continue. Verse 13. Hey. Verse 13. 13. It says, now therefore, maintenant, I pray thee, j'ai trouvé grâce. If I have found grace in thy sight, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, show me now, fais-moi connaître thy way, tes voies, that I may know you, alors que je te connaîtrai, that I may find grace in thy sight, et je trouverai encore grâce à tes yeux, and consider this nation, et considère que cette is nation your people, et ton peuple. And he said, et il dira, my presence, ma présence will go with thee, sera avec toi, and I will give you rest, et je te donnerai du repos. And he said unto him, et il dira aussi à lui, if your presence go not with us, si ta présence ne va pas avec nous, if your presence go not with me, si ta présence ne va pas avec moi, carry not us off from this place, ne nous fais pas quitter de ces lieux, don't take us away from this place, ne nous fais pas quitter de ces lieux, if your presence will not go with us, si ta présence n'ira pas avec nous. Why did he say that? Pourquoi il dira cela? Because in that place where the tabernacle was, parce que là où ils étaient, là où il y avait le tabernacle, the presence of God was there. La présence de Dieu était là-bas. Amen. The presence of God was there. La présence de Dieu était là-bas.
The Bible says that he provided them food in the wilderness. La Bible dit il avait prévu la nourriture dans ces moments-là. He provided them water in the wilderness. Et il avait prévu de l'eau dans ces moments-là. If you don't know what a wilderness is, si vous ne savez pas qu'est-ce que le wilderness is, it's a desert place. C'est un désert, c'est une place de désert. Where there is no tree. Parce qu'il n'y a pas d'arbres. There is no grass. Il n'y avait pas de pelouse. There is no water. Il n'y avait pas d'eau. But in that wilderness, dans ce désert, God provided food. Dieu avait prévu de la God provided water. Dieu avait prévu de God provided their provision for them. Et Dieu avait prévu tout ce qui est compris. It says their clothes, même leur their shoes, leur did not wear out. Ils avaient là-bas. 40 years. Pendant 40 ans, in the wilderness, dans le désert, God took care of them. Et Dieu prenait soin d'eux. This is total provision. Ça c'est la provision totale. Complete package. Et c'était vraiment un paquet complet. God did not take care of them small. Dieu ne les avait pas pris, n'avait pas pris soin d'eux. Un peu. God did not say, I will only give you food to eat. Et Dieu n'avait pas dit que je veux seulement vous donner la nourriture. I will only give you water to drink. Que je veux seulement vous donner de l'eau. But I will not take care of your clothes. Et je ne vais pas prendre soin de or vous. Your shoes. Ou de vos chaussures. He was so concerned. Et il était vraiment concerné. That when they asked for meat. Et donc, quand ils me demandent de la nourriture. God provided meat for them. Dieu devrait prévoir la viande. Not only physical provision. Ce n'est pas seulement pour la provision. He also provided healing for their body. Amen. Il avait aussi prévu la guérison de leur corps. He said, "For I am your God." Et il leur dira que moi je suis votre Dieu. Who heals you? Qui vous guérit? So there was physical provision. Et il y avait une provision physique. There was food on the table. Et il y avait la nourriture. There was water to drink. Et il y avait de l'eau. There was clothes on their back. Il y avait des habits. There was shelter on their head. Et il y avait tout. There was healing in their bodies. Il y avait aussi la guérison dans leur corps. We serve the same God today. Et nous servons le même Dieu aujourd'hui. The last time I checked. Et la dernière fois que j'ai prié, he has not changed his name. Il n'a jamais changé son nom. He is still Jehovah Jireh. Il s'appelle Jehovah Jireh. He is still Jehovah Nissi. Il s'appelle Jehovah Nissi. He is the God who provides for your needs. Il est le Dieu qui provoit pour tout le monde. He is still your victory. Il est toujours votre victoire. He is still Jehovah Rapha. Il est toujours Jehovah Rapha. He is still the God who heals today. Et il est toujours le Dieu qui guérit aujourd'hui. So the secret, le secret, is the presence of God. C'est la présence de Dieu. Amen. That was why Moses said. C'est pour cela Moïse dira. If your presence does not go with us, si ta présence ne va pas avec nous, leave us here. Laissez-nous ici. Because we know that as long as we are here, parce que nous savons que aussi longtemps que nous sommes ici, your presence is here. Et ta présence est ici. Our food is taken care of. Et la nourriture est là. Our drink is taken care of. Et notre pourboire sera. Our clothes are taken care of. Et nos habits. Our body is being healed. Et nos corps sera guéri. Because of the presence of God. Amen. À cause de ta présence. I want to tell you today. Je voulais te dire aujourd'hui. The presence of God is here. La présence de Dieu est ici. The presence of God is here. Et la présence de Dieu est ici. That is why I said to you earlier on. C'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure. Whatever you need. N'importe quel besoin que tu as. Well, I don't care what that need is. Et je m'en fous n'importe quel besoin It's the answer. La réponse is in the presence of God. Et dans la présence de Dieu. For in His presence, parce qu'à cause de sa présence, there is fullness of joy. Il y a plein de joie. And there are pleasures forevermore. Et il y a vraiment le plaisir pour. You don't lack anything in the presence of God. Vous ne manquez absolument rien dans sa présence. God supplies all your needs. Dieu vous fournit tous tes besoins. According to His riches in glory. À cause de sa gloire la plus riche. And that was look how the Lord responds. C'est pour cela il y a la réponse de Dieu. Verse 14. Au verset 13. And He said. Et il dira, ma présence will go with you. Ira avec vous. And I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. Hallelujah. Amen. Have you been troubled recently? Has anything troubled you? N'importe quoi qui vous trouble. Has anything given you sleepless nights? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te donne pas le sommeil la nuit? When the end of the month is coming.
Lorsqu'on arrive à la fin du mois, you begin to panic. Et vous commencez à paniquer. You begin to have sleepless nights. Et vous commencez de ne pas dormir la nuit. You don't know where the end of where your rent will come from. Et tu ne sais pas d'où cela vient. You don't know where the next meal will come from. Mm. Et tu ne sais pas quand est-ce que la prochaine nourriture va venir. But I want to tell you something. Mm. Je veux te dire quelque chose. That not only will you encounter the presence of God today. Ce n'est pas seulement nous avons besoin de la présence de Dieu aujourd'hui. That presence will go with you. Et Amen. Sa présence ira avec toi. Amen. That presence will go with you. Et cette présence là ira avec toi. That wherever that presence is. Et dans n'importe où sa présence est. You are sure. Et vous êtes sûr. Of your food. Amen. Et de votre nourriture. You are sure. Vous êtes très sûr. Of your drink. De votre pourboire. You are sure. Vous êtes sûr. Of your provision. De votre provision. You are sure. Vous êtes très sûr. Of your healing. De votre guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. For wherever the Lord goes. Mm. Dans n'importe où le Seigneur va. His presence goes with him. Et sa présence ira avec. And wherever you will go. Et dans n'importe où vous irez. From today. À commencer aujourd'hui. That presence will go with you. Et cette présence ira avec. That presence will go with you. Et cette présence ira avec. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It says, and he said unto him, if thy presence, verse 15, go not with us, carry not us up from this place. Et il lui dira, si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux. If for wherein shall I know thee? For wherein shall I know here that I and thy people have found grace in thy sight? Et parce que nous avons trouvé la grâce à tes yeux. Is it not in that thou goest with us? Fais-moi connaître tes voies alors que je trouverai encore grâce à tes yeux. So shall we be separated. Et nous allons nous séparer. I and thy people. Et moi et mon peuple. From all the people that are upon the face of the earth. Mm. Et tout le peuple qui sont sur la face de la terre. The difference between you and an unbeliever. Et la différence entre vous et les non-croyants. Is the presence of God. C'est la présence de Dieu. The reason why your own case is different. La différence, la raison pour laquelle vous êtes OK, c'est vraiment ça qui fait la différence. It's the presence of God. C'est vraiment la présence de Dieu. Because the presence of God makes all the difference. Alleluia. Parce que la présence de Dieu fait la différence. What did David pray? Mm. David said, "Take not your Holy Spirit from me." David dira, ne fais pas quitter ton Saint-Esprit en moi. David did not care about the kingdom of God. Mm. He did not care about the kingdom of Israel for as a king. Mm. Et David s'en foutait avec le royaume d'Israël. He did not care that he was a king. Il s'en foutait parce que même s'il était roi. David said, "You can take everything away." Et il disait qu'il peut partir. Il peut you can take even the clothes on my body. Mm. Même enlever tous les habits dans son corps. But don't take your presence from me. Mais ne faut pas enlever ta présence en moi. Because he knew. Parce qu'il savait. In the presence of the Lord. Dans la présence de l'Éternel. There is fullness of joy. Il y avait la pleine de joie. It does not matter whatever the enemy may try to do against you. Amen. Je m'en fous. Qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Where the presence of God surrounds you. Lorsque la présence de Dieu m'environne. The enemy cannot touch you. Et l'ennemi ne peut pas me toucher. Alleluia. The enemy cannot touch you. Alleluia. Ne peut pas me toucher. Alleluia. He says if you are hidden. Says if you are hidden in the presence of God. Si tu es caché dans la présence de Dieu. That presence will protect you. Et Amen. Cette présence te protégera. It will shadow you. Amen. Et ça te conservera. Remember David. Rappelez-vous de David. When King Saul after his life. Lorsque le roi Saul est allé à sa vie, a tenté à sa vie. David ran to the prophet. Et David a couru au prophète. Alléluia. When he got to the prophet. Lorsqu'il est parti au prophète. When he got to the presence of God. Lorsqu'il est parti à la présence de Dieu. When the presence of God surrounded him and the prophet. Et lorsque la présence de Dieu l'a environné. When Saul and his army came.
Et lorsque Saul et son armée est venu, they fell under the power of God. Et ils sont tombés devant le. Saul began to prophesy under the power of God. Et Saul a commencé à prophétiser devant la présence de Dieu. I tell you something. Je vais vous dire quelque chose. When you are hidden in the presence of God. Et lorsque vous êtes vraiment when you are surrounded by the presence of God. Environné dans la présence de Dieu. God will fight for you. Amen. Dieu combattra pour toi. You don't need to fight this battle. Amen. Vous n'avez pas besoin de battre, de combattre dans the Bible cette... says you would not need to fight in this battle. Et la Bible dit vous n'avez pas besoin de combattre dans cette bataille. For the Lord will fight for you. Parce que le Seigneur va combattre. The Lord will fight for you. Amen. I said the Lord will fight for you. Amen. Le Seigneur va combattre pour toi. The secret is the presence of God. Le secret c'est la présence de Dieu. David begged God. Said, Lord, you can take everything away. Et Dieu, tu peux prendre tout. But don't take your presence away mais from ne me. Ne prends pas ta présence en moi. Don't take your presence away from me. Ne prends pas ta présence en moi. I stand before you today. Et je me mets devant vous aujourd'hui. All I have in this world. Et tout ce que j'ai dans ce monde. All I desire in this world. Et tout ce que je désire dans ce monde. Is the presence of God. C'est la présence de Dieu. Because if you have the presence of God. Parce que si tu as la présence de Dieu. The world can take everything away. Et le monde peut prendre tout. But the presence of God will sustain you. La présence de Dieu restera en toi. He will keep you in the wilderness. Et ça va te garder. When Elijah was in the wilderness. Et lorsque Élisée était dans la fournaise. The presence of God brought his food. Et la présence de Dieu lui a apporté tout ce qu'il avait besoin. God sent a bird. Sorry. God sent a bird. A bird. Et Dieu a envoyé l'oiseau. To bring his meat every day. Et de lui apporter la nourriture, la viande. God sent water for him. Et Dieu a envoyé de l'eau pour lui. When he was by the brook, God gave him water to drink. Amen. Et Dieu lui a donné de l'eau à boire. We serve the same God today. Et nous servons le même Dieu aujourd'hui. I don't know whatever wilderness you have been. Et je ne sais pas quel était tes besoins aujourd'hui. I don't know what the enemy may have done for you against you. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi. But God's presence will sustain you. Et la présence de Dieu te soutiendra. Bible says he makes a way in the wilderness. Amen. Et la Bible sait il a mis à côté dans la fournaise. He makes dreams in the desert. Et il avait mis le rêve dans le désert. He makes a way in the wilderness. Et il a mis he makes a way, a road in the wilderness. Il a ouvert la route dans le désert. And he provides streams in the desert. Il a prévu les rivières dans le désert, les sources dans le désert. Psalm 91 says, verse 1. Le psaume. Psalm 91, verse 1. 91, verset 1. Psalm 91, verse 1. Psalm 91. Yeah, psalm 91, oui. Je suis tombé. Celui qui habite le haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. So it says, he that dwelleth in the secret place of the Most High repose à l'ombre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Shall abide under the shadow of the Almighty. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. It says, I will say of the Lord. Je dis à l'Éternel. He is my refuge and my fortress. Il est mon refuge et ma forteresse. My God, in him I will trust. Mon Dieu en qui je me confie. I want you to know this man is not talking theory. Cette personne, cet homme ne parle pas de la théorie. David had seen the hand of God. Et David a vu la main de Dieu. David had seen the power of God. David a vu la puissance de Dieu. I believe he was writing this psalm from a place of revelation. Alleluia. Et je le crois qu'il quand il écrivait ces psaumes avec plein de révélations. He was talking out of the depth of his experience with the presence of God. Et il parlait dans le profondeur de son expérience à Dieu. He said, surely he shall deliver you from the snare of the fowler
and from the noisome pestilence. Verse 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Surely. Sûrement. Surely. Sûrement. He didn't say maybe. He didn't say maybe once in a while. Il n'a pas dit peut-être. He didn't say if he likes so or maybe he doesn't. Il n'a pas dit peut-être il le veut ou il ne veut pas. He didn't say if it be thy will. Oh, si tu le veux, je le ferai. Surely. Sûrement. He said you can build a foundation on that wall. Tu peux construire la fondation. His word will never fail. C'est un mot qui ne peut pas faillir. Surely. Sûrement. He shall deliver you. Il va vous délivrer. I come to tell you today. Je vais te dire aujourd'hui. Surely. Sûrement. Our God. Notre shall deliver you. Amen. He shall deliver you. Alleluia. He shall deliver you. He shall deliver you. He said, verse 4, he shall cover you with his feathers. And under his wings sous ses ailes shall you trust. Que nous devons croire. The picture of what he's trying to say here. Ce qu'il veut dire dans cette écriture, it's like a mother hen, you know, like a hen, a mother hen, like la poule, yes, with chicks, you know, like the small small chicks. Avec des poulets, des poussins. When a mother hen, when there is a storm, you know, when there's trouble, when the big hawk, for example, a hawk is trying to come. Lorsqu'il y a le vent, the mother hen goes. Alléluia. Et la poule va couvrir ses poussins. When the wind is blowing, lorsque le vent est en train de souffler, the mother hen covers the children. Et la poule couvre ses poussins. That is the same way God covers you. Et c'est la même façon que Dieu te couvre. It says he shall cover you with his feathers. Et il va te couvrir avec sa faveur. Under his wings, sous ses ailes, shall you trust? Est-ce que vous devez faire confiance? His truth. Sa fidélité shall be your shield and your buckler. Et doit être ton cuirasse. You know what they call a shield, the Roman shield, like a shield they used to fight. Oui, comme le bouclier pour combattre. It says the word of God. Il dit la parole de Dieu. Is a shield to those who trust. C'est un bouclier à ceux qui le croient. So when the devil tells you your need will not be met. When the devil says you have no food. Lorsque l'ennemi ou le diable dit tu n'as pas la nourriture. When the devil tells you this month you cannot pay your rent. Lorsque le diable te dit c'est moi tu ne peux pas payer le loyer. You lift up your shield. Et tu veux ouvrir ton bouclier. And you tell the devil. Et tu dis au diable. The Lord is my provider. Amen. Le Seigneur est mon provision. Because I am in the presence of God. Parce que je suis dans la présence de Dieu. He supplies all my needs. Il va promouvoir, il va fournir. According to his riches in glory. De sa richesse, de sa gloire. God will meet all your needs. Et Dieu devrait accomplir tous tes besoins. He says, verse 5. Il dit dans au verset 5. Thou shalt not be afraid of the terror by night. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Not for the arrow that flies by day. Ni la flèche qui vole le jour. I don't know what has been terrorizing you in the night. Et je ne sais pas qu'est-ce qui te terrorise la nuit. Some people are having night terrors. Et d'autres personnes ont des terreurs, des terroristes la nuit. When they sleep in the night, they see all sorts of demons. Quand ils dorment, ils voient tous les démons, toutes sortes de démons. Waking up, they are afraid. Et quand ils se réveillent, ils ont peur. They are scared in the night. Et ils craignent pendant la nuit. Some people are afraid to close their eyes. Et les gens ont peur de fermer les yeux. Because as soon as they close their eyes, terror will come. Et parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont fermer les yeux, the enemy will begin to terrorize them. Et l'ennemi commence à les terroriser. But the Bible says, "Thou shalt not be afraid." Mais la Bible dit, il ne faut pas, of il ne faut the pas terror craindre. By night. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Or of the arrow that flies by day. Ni la flèche qui vole le jour. It says, even as you walk in the day. Même si tu marches, as you walk about going in your way. Et même si tu marches dans la journée, whatever arrow the enemy is sending against you, n'importe quelle arme de l'ennemi, God's shield will protect you.
le bouclier du Seigneur va te protéger. The Almighty will overshadow you. Et le Tout-Puissant va te protéger. The presence of God will protect you. Et la présence de Dieu devrait te protéger. We have heard of stories where people have been in accidents. My brother has been in an accident before. Et mon frère avait connu un accident avant. Where almost everybody died in that bus. 17 died. 17 people died in that bus. I was the only survivor and 2 babies. Donc 70 personnes sont mortes. Il était le seul survivant. He was the only survivor and 2 babies. Il était le seul survivant avec 2 bébés. Because of the presence of God. À cause de la présence de Dieu. It is not because he's the most righteous person. C'est pas parce qu'il était le plus juste. It's not because he's the most good person in the world. Ce n'est pas parce qu'il était le plus bon. It is the presence of God. À cause de la présence de Dieu. The presence of God will protect you in the daytime. Et la présence de Dieu devrait le protéger. It will protect you in the nighttime. Devrait le protéger pendant la nuit. The Bible says, look at this. Et la Bible dit, regardez ceci. Verse 6 says, nor of the pestilence that walks in darkness, ni la peste qui marche dans les ténèbres, nor of the destruction that lays wait at noonday, ni la contention, whatever pestilence, whatever disease, whatever infections are going around, it shall not come near you. Amen. Whatever disease, whatever sickness, n'importe quelle maladie shall not come near you. Ne viendra pas. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It says, a thousand may fall on your right side. Que 1000 tombent à ton côté. Or 10,000 on your right side. 10,000 à ta droite. But it shall not come near you. Ne viendra pas à terre. A thousand may fall. 17 may fall on your right side or the left side, but it shall not come near you. Because of the presence of God. Tu ne seras pas atteint à cause de la présence de Dieu. Seek the presence of God. Cherchez la présence de Dieu. That is the safest place to be. Ça c'est la place la plus sûre d'être. Listen, you may be in a battlefield. Vous pouvez être dans un champ de combat, but if you are in the presence of God, si vous êtes dans la présence de Dieu, he said a thousand may fall at your side. Il dit 10,000 peut tomber, 10,000 on your right side, et 10,000 à ta droite, but it shall not come near you. Tu ne seras pas atteint. These are the kind of things David knew. Ça, ce sont des choses que David savait. He knew the presence of God. Il savait le secret de la présence de Dieu. That is why he said to God. C'est pour cela qu'il dira à Dieu. You can take everything away from me. Prendre tout de moi. But don't take your presence. Mais ne prends pas ta présence. Don't take your presence. Ne prends pas ta présence. Because in the presence of the Lord, parce que dans la présence de Dieu, there is fullness of joy. Il y a plein de joie. There is pleasure forevermore. Il y a le plaisir pour. Seek the presence of God. Cherchez la présence de Dieu. The presence of God should be the most precious thing you have. La présence de Dieu doit être la chose la plus précieuse. Because the presence of God will provide for you. Parce que la présence de Dieu devrait vous fournir. The presence of God will protect you. Parce que la présence de Dieu devrait te protéger. The presence of God will keep you. Parce que la présence de Dieu vous garde. Verse 8 says. Le verset 8 dit. Only with your eyes. De tes yeux seulement, shall thou behold and see, tu garderas et tu verras, the reward of the wicked, la rétribution des méchants. Because thou hast made the Lord, car tu es mon refuge, which is my refuge, oh, tu fais du très haut ta retraite, even the most high, même si les yeux, thy habitation. Qui habite. Do you remember where we saw that word habitation, tabernacle? It was with Moses, with Joshua. He's talking about the same thing. Amen. Because you have made the Lord, parce que tu as rencontré your habitation, et qui est votre habitation, your secret place, votre place secrète, your dwelling place.
place. Place. The presence of God. La présence de Dieu. That presence will keep you. Cette présence te garde. That presence will protect you. Cette présence te protégera. That presence will overshadow you. Et cette présence te gardera, te protégera. And this is the result you will get. Ça, c'est le résultat que vous aurez. There shall no evil. Il n'aura pas before you. Before you. Alléluia. Devant toi. Listen, brethren, I'm not here to preach a sermon. Je ne suis pas ici de prêcher les psaumes. I am here to tell you the truth. Je suis ici de vous prêcher la vérité. Of what you have. Et de tout ce que vous avez. As a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. These things I'm sharing with you. C'est ce que je suis tenté de partager avec vous. Is the difference between life and death. C'est la différence entre la vie et la mort. Most Christians don't understand what I'm sharing with you. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que je suis tenté de partager avec vous. Are perishing. Are perishing. They are dying. Et ils périssent et ils meurent. Hosea 4 verse 6 says. Hosea chapitre 4 verset 6. My people perish. Mon peuple périt. For lack of knowledge. Par manque de connaissances. Because they don't know. C'est parce qu'ils ne savent pas. The presence of God. La présence de Dieu. That is why they are perishing. C'est pour cela qu'ils périssent. Do you know, as long as Israel served God faithfully. Aussi longtemps que Israël cherchait Dieu. No nation could stand before them. Aucune nation se permettra de se mettre devant eux. Because of the presence of God. À cause de la présence de Dieu. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Seek the presence of God. Cherche la présence de Dieu. Seek the presence of God. Cherche la présence de Dieu. Above all that you will seek in this life. Au-dessus de tout ce que tu peux chercher dans ta vie. Seek the presence of God. Cherche la présence de Dieu. That is the secret place. Ça c'est le secret. It says the secret place of the Most High. Le secret, la place secrète est la plus élevée. That place is the presence of God. Cette place-là, c'est la présence de Dieu. When you are in that secret place, si vous êtes dans ce lieu secret, he says, there shall no evil before you. Il n'y aura pas de démon devant toi. Listen to the word. Neither shall any plague come near your dwelling place. I don't care what the economy is saying. Et je m'en fous, qu'est-ce que l'économie dit? I don't care what disease, the new disease they're calling. Je ne sais pas quelle épidémie ils sont en train de parler. Whether it is AIDS, it is cancer, it is whatever. Il y a le sida, il y a le cancer. In the presence of God. Dans la présence de Dieu. You have healing. Vous avez la guérison. You have deliverance. Vous avez la délivrance. Because of the presence of God. À cause de la présence de Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. It gets better. Listen. Gets better. It says, for he shall give his angel charge over you. Et il va donner les ses anges. And they shall keep you. Qui vont te garder. In all your ways. Et dans toutes tes voies. God will dispatch angels for you. Et Dieu enverra les anges. You have angelic guardians. Et vous avez des anges gardiens. Listen to me very carefully. Écoutez bien en moi. Il faut bien m'écouter très attentivement. I did not come to preach a message. Je ne suis pas venu prêcher le message. I did not come to preach a sermon. Je ne suis pas venu prêcher le psaume. I want you to go back home. Je veux que tu rentres à la maison. With the presence of God. Avec la présence de Dieu. I want you to begin to think like this. Et je veux que vous puissiez. I want you to change the way you think. Je veux que vous puissiez changer la façon de penser. He said he shall give his angels charge over you. Et il va donner la charge des anges. As you walk on the road. Aussi longtemps que tu marches sur la route. There are angels beside you. Il y a des anges à côté de toi. In front of you. Devant toi. Protecting you. En te protégeant. When the enemy comes in like a flood. Lorsque l'ennemi viendra. The Lord will raise a standard against him. Et le Seigneur va,
va ouvrir. The angels of God will stop him. Et les anges vont le stopper. When the enemy brings persecution against you. Lorsque l'ennemi va apporter la persécution. When the enemy brings sickness or disease against you. Lorsque l'ennemi va apporter l'épidémie à toi. The Lord will raise a standard against him. Le Seigneur va s'élever contre lui. The presence of God will protect you. La présence de Dieu va te protéger. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Says they shall bear you up in their hands. Et il va t'élever avec ses mains. Lest you dash your foot against a stone. Lest you hit your foot against a stone. Lest you hit your stone. Your feet. Verse 12. Après que ton pied n'est. 91 verse 12. Après que ton pied. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. It says verse 13. Et il dit au verset 13, thou shalt tread upon the lion and the adder. Yeah. Tu marcheras sur le lion et sur la spic. The young lion and the dragon. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Shalt thou trample on the foot. Et tu fouleras le lionceau et le dragon. Who is the dragon that we know? Qui est le dragon que vous connaissez? That old serpent. That old snake. Cet ancien serpent. Satan. The Bible says thou shalt trample. Et la Bible dit tu fouleras the young lion and the dragon on the foot. Tu fouleras le lionceau et le dragon avec tes pieds. Luke chapter 10 verse 19. Et Luc chapitre 10 verset 19. Behold, I give unto you power. Et je te donne le pouvoir to trample. De marcher upon snakes and scorpions, sur les serpents et sur les scorpions, and upon all the power of the enemy, et tout, sur toute la puissance de l'ennemi, and nothing, et rien, shall by any means, ne peut t'atteindre, harm you, ne peut t'atteindre, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. I want you to believe this. I want you to believe it in all your heart. Je veux que tu puisses le croire de tout ton cœur. Like I said, David was talking from experience. Et David, comme je l'ai dit, David parlait de son expérience. This was young David as a small boy. Et ça c'est le jeune David en tant qu'un jeune garçon. Looking after his father's sheep. Et il était un berger en regardant. And one silly lion. Quand il voit le lion, said they want to have some meal. The lion said, I want to have a meal. Et le lion dira, je veux avoir la nourriture. Then he said, no way. David dira non, not my sheep, pas avec ses brebis. And the Bible says, et la Bible dit, he took it by its beard. Alleluia. Et il a pris avec la flèche. And he killed the lion. Et il a tué le lion. On another day, un autre jour, a silly bear, a bear, et il a vu l'oiseau, did not hear the story of the lion. Il n'avait pas entendu les sons de lion. He missed. When they were telling the story in the village. Sorry. That's okay. Amen. Okay. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The lion missed when they were telling the story. The lion missed when they were telling the story. The bear missed when they were telling the story. L'oiseau a échoué lorsqu'on parlait about the lion. À cause de lion. He woke up one morning. Et il s'est réveillé le matin. I am going to have a sheep. Je vais avoir une brebis. For breakfast. Pour mon petit déjeuner. And he wandered mistakenly. Et par erreur. Into the sheepfold of David. Et il a rencontré I said, I want a sheep. Les brebis de David. Et and David said, no way. Je veux. Not my sheep. Pas mes brebis. And he took it by its beard. Et il a pris. And he killed it. Et il a tué le lion. Hallelujah. Amen. I want to tell you something. Je veux te dire quelque chose. If you are here as a parent. Si tu es ici en tant que parent. That old snake. Et tous les serpents. That serpent. Cet ancien serpent. Says your child that he wants. Et il dit, je veux ton enfant. You tell that old devil. Et il faut dire à cet ancien. Devil. Diable. Not my child. Pas mon enfant. Because this child. Parce que cet enfant is protected by God. Est protégé par Dieu. He said, you shall rebuke the devil. You shall rebuke the devil.
Vous devez répliquer au diable. He will flee from you. Et il va fuir. Ready? He will run away from you. Et il va courir très loin de toi. Hallelujah. Amen. Another day came. There was this giant. Il y avait un géant. And he felt so powerful. Et il pensait qu'il était très puissant. He was a mighty warrior. Et il était un guerrier puissant. He had dealt with people before. Il avait. He had dealt with so many people before. Et il avait déjà défié beaucoup. He had killed so many men. Et il a tué beaucoup d'hommes. But one day, un jour, he challenged the people of God. Et il a défié le peuple. Hey. He challenged the people. Il a défié le peuple. Who carried the presence of God? Qui avait avec eux la présence de Dieu. He challenged a man. Et il a défié un homme. Who carried the presence of God? Qui avait la présence de Dieu. He had killed other men. Et il a tué cet homme. But one day, un jour, he met a man. Et il a rencontré un homme. Who knew the God is? Alléluia. Qui se connaissait la parole. He met a man. Il a rencontré un homme. Who God overshadowed? Que Dieu protège. Alléluia. Amen. I want to tell you something today. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. That God. Que Dieu overshadows you. Alléluia. The presence of God. La présence de Dieu is upon you. Avec toi. And you will go back home. You will walk on the streets. Vous allez marcher dans la rue with the presence of God. Avec la présence de Dieu. With the presence of God. Avec la présence de Dieu. And what did David say? Et qu'est-ce que David a dit? That same God. Le même Dieu that delivered me. Qui m'a délivré from the lion. Du lion and the bear. Et de l'oiseau. Shall deliver me. Et va me délivrer from this Philistine. De ces Philistins. From this uncircumcised Philistine. Pour de cet incirconcis Philistin. Because he knew. Parce qu'il savait. This Philistine. Que ce Philistin. Does not have a covering. Qui n'a pas de couverture. There is nothing covering him. Il n'y a rien qui le couvre. Yes. But the shadow of the Almighty. Mais la. Covers me. Et la couverture de tout. Alléluia. If you believe that, shout hallelujah. 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 That same presence overshadows you. Hallelujah. I don't know what Philistine is challenging you. I don't know whether it's your job. I don't know whether it's your family. I don't know whether it's a sickness or disease. That Philistine will die today. In the name of Jesus. If you believe it, shout hallelujah. Hallelujah. It is not because of anything you've done. It is the presence of God. À cause de la présence de Dieu. Tell somebody, seek the presence of God. Dis à quelqu'un, cherche la présence. Seek the presence of God. Cherche la présence de Dieu. If you have the presence of God, si tu as la présence de Dieu, you have everything. Vous avez tout. You have everything. Vous avez tout. If you have the presence of God, si vous avez la présence de Dieu, you have everything. Vous avez tout. Our God. Notre Dieu shall supply, va te fournir some of your needs, tout ce qui est votre nourriture. Our God, notre Dieu shall supply, va te fournir a few of your needs, et tout ce que tu as tes besoins. Is that what the Bible says? No. Is that what the Bible says? No. Our God, notre Dieu shall supply, va te fournir all your needs, tous tes besoins. All your needs, tous tes besoins. What is that need you have? Quel est ce besoin que tu as? Is there anything too hard for God? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as avec Dieu? What is that need that is giving you sleepless nights? Quel est ce besoin qui te donne? Bring it to the Lord. Alléluia. Qui te donne des insomnies la nuit? The problem we have as believers. Quel est le problème que nous avons en tant que chrétiens? Is we think that we can solve our problem ourselves. C'est de croire que nous devons résoudre nos problèmes. Say, God, don't worry, I don't need it for this one. Oh Dieu, je ne vous en prie. This one is small, I can do it by myself. C'est le petit, je peux le that résoudre. That is the beginning of problem. Ça c'est ça le problème. Whether big or small, grand ou petit, God can do all. Dieu peut faire tout. Our God shall supply all your needs. Tout. In
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Verse 14 says, because thou hast set his love. Puisqu'il m'aime, because he has set his love upon me, puisqu'il m'aime, therefore I will deliver him. Et je le délivrerai. I will set him on high. Je le protégerai. Because he has known my name. Puisqu'il connaît mon nom. Another secret is this. Another secret is the name of Jesus. C'est le nom de Jésus. It's the name of Jesus. C'est le nom de Jésus. The Bible says, at his name. La Bible dit au nom. Every knee. Et tout besoin, every need, tout besoin shall bow. Alleluia. Sera at his name, au nom de Jésus, every tongue, toute langue shall confess. Confessera. That Jesus, que Jésus, that Jesus, que Jésus, Christ, Christ is Lord. Et he is Lord. Et he is Lord. Et he is Lord. Et hallelujah. Amen. Whatever need you have, quel besoin as-tu? The name of Jesus, le nom de Jésus, is able to meet that need. Est capable de rencontrer. Is able to meet your need. Est capable de rencontrer. If you need healing in your body, si tu as besoin de la guérison, there is healing in that name. Il y a guérison dans ce nom. When Peter met a man. Lorsque Pierre a rencontré un homme by the gate called beautiful, by the beautiful gate, dans une porte, he said, silver and gold have I none. Yes. Silver and gold have I none. L'or et l'argent, but such as I have, mais ce que j'ai, give I thee, give I you. Je vais te donner. In the name of Jesus. Rise up and walk. Et lève-toi et marche. There is power in that name. Il y a la puissance dans ce nom. There is healing in that name. Il y a guérison dans ce nom. There is deliverance in that name. Il y a délivrance dans ce nom. At the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every knee shall bow. Tous genoux fléchissent. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every tongue, toute langue, shall confess. Doit confesser. Verse 15. Le verset 15. He shall call upon me. Il m'invoquera, and I may answer him. Et je lui répondrai. Is that what your Bible says? Sometimes I will answer him. No. If I feel like. No. Et c'est ce que la Bible dit. Maybe when I'm in a good mood. Si je veux, peut-être si je suis en bon état. Maybe when I finish doing my housework. Même si je finis le travail de la maison. Maybe I will answer him. Mm. Peut-être je vais lui répondre. Okay, thank you. You know, religion has told us. La religion nous apprend that sometimes God answers. Que peut-être Dieu, but sometimes He does not answer. Peut-être Dieu ne nous répond that pas. Is not in the Bible. Ça, ce n'est pas dans la Bible. It says, He shall call upon me. Il dit, il m'invoquera, and I will. Et je lui answerai, répondrai. I will be with him. Et je serai in trouble. Lui. Dans la détresse, I will deliver him. Et je lui délivrerai. I will honor him. Et je le glorifierai. God will honor you. Et gloire te glorifiera. God will honor you. Et le Dieu te glorifiera. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. He says, with long life. Yes. Avec I don't know what the doctor has told you. Je l'ai rassuré. They told you have only two years to live. Mais maybe 4 months. Le docteur t'a dit que tu as 2 jours de vivre. Ou 2 mois de vie. The Bible says with long life. Mais la Bible dit, je le rassasié de longs jours. He will satisfy you. He will satisfy you. Il va te satisfaire. And will show you his salvation. Et il te montrera son salut. Let us rise up on our feet. Hallelujah. Et mettez-vous debout. Amen. Praise the name of the Lord. Father in Jesus' name. Begin to speak to God. Et commencez à parler à Dieu. I don't know what need you have. Je ne sais pas quel est ce besoin. Bring it before the Lord. Et amenez-le à Dieu. I don't know whatever need you have. Bring it before the Lord right now. Je ne sais pas quel est le besoin que tu as. Tu l'amènes à Dieu tout de suite. I want to pray first for anyone who needs healing right now. If you need healing in your body, raise up your hand. Je vais d'abord prier pour ceux qui ont besoin de la guérison. Raise up your hand right now. Et si tu as besoin de la guérison, lève la main. I want to release the healing power of God first. Et je vais libérer la. If you have pain in your body, si tu as mal dans ton check corps, check it right now. Check yourself now.
toucher there's pain in your body. You can check it. You can feel it. Et vous commencez à toucher. We're going to pray and release the presence of God. Et je vais prier. Remember what we said. Disons la présence de Dieu. In the presence of the Lord. Rappelez-vous ce qu'il a dit. There is fullness of joy. Il y a plein de joie. At his right hand. Et dans sa main droite. Right now, open your mouth and ask God for your healing. Et ouvre ta bouche et commencez à demander. What is that need you have? What is that pain? What is that sickness? Speak to God now. Quelle est cette peine? Quelle est cette souffrance? Commencez déjà à demander à Dieu. He said, "You shall call upon Him." Et il dit, tu m'invoqueras. And He will answer you. Et il te répondra. Right now. In the name of Jesus. Tout de suite, au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Right now, I release the healing presence of God. Maintenant, je libère la guérison, la présence de Dieu. Every pain, toutes sortes de maladies. Every infirmity, toutes sortes d'infertilité. Every disease, toutes sortes de maladies. De whatever name it may be, et dans n'importe quel nom, ça peut être. Right now, tout de suite. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Out of their body. Sortez de ce corps. Now. Maintenant. I break your power. Je prie ta puissance. I command you. Out in Jesus' name. Je te commande. Sort. Be healed. Au nom de Jésus. Behold. Sois guéri. Now. Maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Right now. Maintenant même. Kirabashakata. Just be quiet for a second. Everybody, just be still for a minute. Restez silence pour quelques secondes. Let the presence of God touch you. Laissez la présence de Dieu vous toucher. To move around, check yourself. Move around, check for that whatever the sickness is. Move around, check it. Move around, check if you can find it in Jesus' name. You are healed now in the presence. Just move around, check yourself. Is that pain still there? If you're right now, bougez un peu tout autour. Check around, move around, do what you couldn't do before. If you couldn't bend, bend down. Raise your hand, move around, whatever you couldn't do, begin to do now in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Every back pain is gone. Every infirmity, every sickness is gone in Jesus' name. Right now. Guéri au nom de Jésus. Toutes sortes de maladies est partie. Right now in Jesus' name. Au nom de Jésus. Right now, I want to check something. If you had pain before we prayed, si tu avais mal avant qu'on prie, if there was something that you felt before we prayed and now you can't feel it anymore, raise up your hand. Si tu as senti quelque chose après, you can't feel it anymore. Raise up your hand. Let's see in Jesus' name. Lève la main. You can't feel it anymore. God has touched you. I want to see your hand up. Give glory to God. You give God praise. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want to start with you. Come. Come, my sister, come. My brother, I'm going to pray for her. Tell us what was wrong and what happened just now. There's no more pain. It's gone. Hallelujah. We give God praise. We give God. My man of God, just pray for her as well. Just Father, release the presence of God. In the name of Jesus. Baba Shaka. Lord, you that have started a good work in the life of your. Thank you, Lord Jesus. Lord, I declare that this healing. Thank you, Lord Jesus. That this healing shall be permanent. In Jesus' name. Shall be permanent. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Amen. It's gone. Right now, I want. First of all, whoever is there, anyone else who needs to be healed? Anyone else you're still feeling pain in your body? Anyone else that needs a healing, whatever it is, right now, come forward. Come forward right now. Let's pray for you. If you need to be healed, come forward now. Whatever need you have now, come. Let's pray. Let's pray for you, Jesus. Right now. Whatever healing, let's start with healing first. Let's start with healing first. Healing first in Jesus' name. All right, so we're still have time, no problem. So whatever need you have right now. Not all right.
Any song leader here? Any song leader? Anybody that can lead song? Hallelujah. 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 Hallelujah! Amen. Amen. My vision was actually a bit blurry, but now I can see a lot clearer. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of the Lord! Jesus. Hallelujah! Amen. Amen. Amen.